tout problème a une solution. Et encore, il faut que le problème soit bien posé. Si vous tournez en rond entre vous, alors que la solution ne viendra pas de vous, comment est-ce que les personnes, les personnalités, les autorités qui sont appelées à trouver des solutions à vos problèmes-là, puissent vous les trouver? Avec un ton et les expressions qui accompagnent ces propos, le Premier ministre condamne avec la dernière rigueur les manifestations enregistrées ce matin par les étudiants de l'Institut supérieur technologique de Bangui. Je vous demande de vous calmer. Puisque vous ne savez pas comment poser les problèmes, vous ne les posez qu'en termes de c'est pas moi, il faut brûler les pleurs, il faut ériger les barricades pour savoir poser les problèmes. C'est comme si en tant qu'enseignant, vous ne savez pas parler, vous ne savez pas ouvrir vos bouches pour parler. Il faut ériger les barricades. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il ordonne la reprise immédiate des cours et appelle au calme. La solution viendra des pouvoirs publics et non des étudiants. En bon père de famille, Saint-Plus Mathieu Sarandi n'est pas passé par quatre chemins pour dire que lui ne cédera pas au chantage. C'est Monsieur Sarandi. C'est nous qui avons pris l'initiative. Ce n'est pas vous. C'est parce qu'on se soucie de votre bien-être. Et il faut qu'il en soit ainsi. Ne pensez pas que ce n'est pas la force qu'on peut solutionner les problèmes. Il y a cours aujourd'hui. Regagnez chacun sa salle de classe. Regagnez chacun son amphithéâtre. Ici et maintenant, et c'est un ordre, vous faites cours aujourd'hui. L'avenir du pays en dépend. L'avenir du pays en dépend. On a besoin de vous. C'est pour ça que l'on vous entretient. Je n'aime pas le désordre. Qu'est-ce qu'on a gagné du désordre dans ce pays? Dites-moi ce qu'on a gagné du désordre. Le désordre n'a jamais rien résolu. Au contraire, fait reculer un pays, a-t-il ajouté. Sous un regard attentif des étudiants, le Premier ministre leur dira que l'État est en train de se battre pour le mieux-être des populations. Les délestages que connaissent le pays aujourd'hui, demain ne seront qu'un triste cauchemar. Des propos très applaudis par les étudiants présents qui ont immédiatement décidé d'enlever les barricades afin de mettre fin aux manifestations enregistrées à la rue des Martyrs ce matin.